Bonjour, je m'appelle Bernard Sanchez, je suis le président de l'association qui a compétence départementale, de l'association Bouchon 11 Solidarité Handicap. Cette association a pour but de collecter dans tout le département des bouchons plastiques pour venir en aide à des personnes handicapées. Depuis peu, on collecte aussi des bouchons en liège, que l'on traite avec une autre société, mais la finalité est la même. Donc, les bouchons en plastique sont collectés sur tout le département. Nous avons deux centres, un à Narbonne qui gère la collecte côté ouest-est du département, et un à Limoux, comme aujourd'hui là, pour la partie ouest. Aujourd'hui, alors ces bouchons sont collectés, amenés sur les centres, où ils sont triés, parce qu'il y a des intrus, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en plastique, des objets qui ne sont pas en plastique, il faut écarter. Ensuite, ils sont conditionnés et chargés, comme aujourd'hui, dans un camion pour aller à Cahors, au centre de gestion des bouchons par notre client qui est Paprec. Paprec, groupe franco-suisse, recycleur de tout un tas de choses. Paprec gère ses bouchons, il les lave, il les broie en paillettes, il les reconditionne et il les vend à des industriels qui ont besoin de plastique. Le plastique recyclé est moins cher que le plastique neuf et intéresse donc cette clientèle, ces industriels. Donc Paprec est payé par l'industriel et à son tour nous paye à nous. Avec cet argent, on a des dossiers à direction des personnes handicapées qui ont des difficultés financières pour s'équiper correctement, le matériel idoine étant très cher. Donc, on remet des chèques après étude des dossiers à des personnes qui en ont besoin. Au mois de mars, on a remis 3 000 euros à une petite fille pour que ses parents puissent équiper un ascenseur d'appartement. Prochainement, on va remettre 3 000 euros aussi à un monsieur qui n'a pas de jambes, de façon à équiper son véhicule de commande automatique au volant. Voilà ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons une très belle équipe là. Nous avons pris un peu de retard, mais bon, ce sont des détails. Et au moins qu'il ne pleuve pas. Et on va charger 12 tonnes de bouchons qui sont dans le local, mis à notre disposition par la communauté des communes de Limouxin, que nous remercions, bien entendu, comme la mairie qui nous aide aussi, qui nous facilite en prenant aujourd'hui un arrêté municipal qui nous permet de barrer la rue, etc., etc., compte tenu de la disposition des lieux. Oui, nous sommes un groupe en formation au centre de formation Batipol, une formation d'agents techniques de déchetterie. On a souhaité venir aider aujourd'hui pour que les stagiaires se rendent compte de l'action des bouchons solidaires et participer aussi à cette belle journée. On est nombreux, on est très contents de pouvoir filer un coup de main. Dans l'année, nous avons, en gros, nous chargeons, nous collectons et nous trions 12 tonnes à Narbonne et 12 tonnes à Limoux, ce qui nous fait une collecte globale de 25 tonnes, c'est déjà pas si mal, plus, en gros, même 2 tonnes de bouchons de liège. Oui, bonjour, bon voilà, on va parler de l'association Narbonne 11 Solidarité Handicap. Narbonne, qui relie Narbonne, Limoux, en ce moment, est en train de charger un camion de 11 tonnes. Et voilà, alors je tiens à dire à toutes les personnes, je pense que c'est tout le monde qui a chez soi des bouchons qu'on peut enlever, garder, récupérer. C'est vrai qu'il est difficile maintenant de sortir des bouchons parce qu'il y a un petit tiré qu'on ne peut pas, mais on ne fait que le tourner, le bouchon, et il s'enlève tout seul. Donc voilà, si vous voulez aider franchement les personnes handicapées, venez nous rejoindre. Hein, et on est sur Facebook, parce qu'on n'a pas de site, hein, mais sur Facebook, vous tapez Bouchon en solidarité handicap et vous verrez tout ce qu'on fait. Voilà, notre action, elle est pour aider ces personnes handicapées. Voilà, tout ce que j'ai à dire, moi, sur ce sujet. Ça fait 12 ans que j'y suis et j'y suis très bien et je suis très contente d'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Voilà, avec l'argent des bouchons. Alors sur Limoux, on a de nombreux points de collecte dans plusieurs commerces que je n'ai pas tous en tête, c'est l'équipe limouxine qui s'en occupe, mais chez Leclerc nous avons des points de collecte. Nous avons ici au siège là, à notre local, nous avons dans cette rue un conteneur devant la porte et je pense que en regardant sur le site Bouchon 11 Solidarité Handicap, sur Google en particulier, il y a la carte avec de nombreux points de collecte. Voilà. Ensuite, on peut se renseigner utilement aussi. Et nous avons aussi sur Facebook, nous sommes présents, où nous pouvons aussi, nous tenons à jour l'actualité de notre association. Je tiens quand même, dans notre activité, je tiens à remercier de nombreuses collectivités territoriales qui nous aident, les écoles bien sûr, tous les publics, qu'ils soient les industries, les commerces et autres, mais je remercie aussi la presse qui joue un rôle prépondérant en évoquant ce que nous sommes, ce que nous faisons, et donc je crois qu'on peut leur dire un grand merci.